Bonjour tout le monde, c'est Ludo de la boutique internet ludiworld.com. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. On va pas voir mon visage, mais on va voir le plus important, le jeu de deck building game Eon's End. Alors c'est un gros coup de cœur. Alors attendez, je suis en train de tirer sur la caméra, ça commence. C'est un gros coup de cœur, vraiment. Alors moi je suis fan des deck building game. Le premier du genre ayant été Dominion. Si vous ne connaissez pas ce type de jeu, vous pouvez des fois entendre dire que Magic, Dragon Ball, etc. ce sont des deck building games, mais en fait pas du tout. Les Magic et compagnie, vous construisez votre jeu avec votre collection avant de jouer, puis après quand vous jouez, bah, vous jouez au jeu. Alors que les deck building games ont tous comme particularité en commun une mécanique du jeu et quasiment le but du jeu pour la plupart, c'est de se construire un deck et de se construire le deck le meilleur possible. C'est vraiment hallucinant. Mais bon, j'y reviendrai, là c'est juste pour vous parler d'Eon's End qui dérive pas mal le genre et apporte beaucoup d'originalité, enfin beaucoup, en même temps pas tant que ça, mais le peu que ça apporte, c'est vraiment génial. C'est un jeu qui peut se jouer en coopératif entre jusqu'à 4 joueurs. Les parties sont relativement rapides quand même, et surtout on peut y jouer en solo à partir d'un joueur, donc ça c'est super cool. C'est un jeu, alors l'univers, franchement moi je m'en fous un peu, j'ai pas lu, mais il y a des portails interdimensionnels qui sont ouverts, il y a des gros monstres de la mort qui tuent qui arrivent, et puis vous incarnez un héros parmi les 8 disponibles dans la boîte de base, et vous essayez de repousser les assauts du monstre. Alors, je vais juste m'asseoir un petit peu, parce que sinon, je vais jamais finir pendant toute la vidéo. Voilà, ça sera bien mieux. Donc, Eon's End, il y aura comme Dominion, comme Senseiya, comme Starring, blablabla, comme je vous l'ai dit, on va se construire un deck qu'on va jouer en temps réel, en même temps qu'on se le construit, et vous allez voir un petit peu les petites originalités. Je vais pas vous expliquer les règles comme ça dans le vent, je vais installer une partie, et puis on va faire tout simplement, peut-être pas une partie complète, mais au moins un bout de partie ensemble, et j'espère que ça vous donnera envie d'y jouer, parce que sincèrement, moi là, c'est une grosse découverte, une grosse claque, j'arrête pas d'y jouer, je suis à fond. Je retrouve les sensations de Dominion, à savoir l'optimisation de son deck, l'épuration de son deck pour que ça tourne beaucoup plus vite, trouver des combos, optimiser le tempo du jeu, à savoir acheter les cartes dans le bon ordre, dans la bonne quantité, etc. Mais en plus, on a le challenge du boss qui nous marave la tronche, et les 4 boss présents dans la boîte de base sont tous un gameplay radicalement différent. Et en plus, on peut moduler la difficulté. Enfin, franchement, c'est une tuerie de malade. Ça vaut 43,90€, bon 44€ quoi. Et c'est trop bien. Vraiment, mais vous pouvez l'acheter les yeux fermés. Pourtant, moi, vous le savez, hein, j'aime pas l'Heroic Fantasy. Et là, on est en plein dedans. Mais je sais pas, c'est franchement terrible. Alors je vais vous ouvrir la boîte, je vais vous montrer un petit peu le matos, et puis après on enchaînera sur le plus important, la partie. Vous avez à votre première ouverture cette page-là qui... Donc naturellement, si vous connaissez déjà le contenu de la boîte, ou si ça vous intéresse pas, vous pouvez avancer un petit peu et on démarrera la partie. Hein. Quand vous l'ouvrez, vous avez une feuille qui vous dit stop avant l'ouverture des paquets de cartes. Veuillez lire s'il vous plaît ce guide blablabla et vous explique bien comment démarrer votre première partie. Je vous avoue qu'au début j'étais pas apeuré, mais je dis oh là là, ça a l'air compliqué. Tout était expliqué là, mais en même temps tout ne l'était pas, donc il fallait faire ça plus après lire la règle. Enfin bon, bref, j'étais un peu voilà, j'avais un peu peur. Bon, après, c'est une règle qui est vachement espacée. Tout est bien détaillé. Là, il vous explique comment les cartes sont organisées, blablabla, la mise en place de la réserve, le fonctionnement du jeu qui tient finalement sur 2 pages. Et puis après, enfin voilà, franchement, ne prenez pas peur. Le jeu, il est d'une extrême simplicité, mais voilà quoi. Alors en partie, il y a quelques questions qui peuvent arriver parfois, parce que la formulation est peut-être pas assez précise, j'en sais rien.
Donc moi, dans mes premières parties, j'ai fait parfois quelques erreurs, et puis finalement, en relisant les cartes et en voyant comment le jeu tourne, on se dit, bah ouais, non, c'est plus logique que ce soit comme ça. Bon, ça se trouve, je me gourre, mais je pense pas. Bref, en tout cas, le jeu est vraiment pas très compliqué. Le truc le plus difficile, enfin le plus chiant en fait, c'est la mise en place du jeu et particulièrement le deck de la Némésis. La Némésis, c'est le gros boss. Bref, on va regarder tout ça. Donc la boîte, déjà, elle est bien remplie. Là, moi, j'ai esquivé toutes les cartes, hein. Normalement, c'est moins épais, hein. Là, j'ai utilisé de la bonne protège-carte, donc tout est blindé. L'avantage, c'est que c'est bien séparé par des intercalaires qui sont directement fournis. Il y a le thermoformage dans la boîte, enfin vraiment nickel, tout est prévu pour. La première des choses, c'est que vous avez 8 personnages que vous pouvez incarner. Bon, je vais pas faire le détail de tous les personnages. Ils ont tous un nom différent, évidemment. Au verso, vous avez leur histoire. Donc ça rajoute un peu d'environnement au jeu, c'est plutôt sympathique. Chaque personnage a des caractéristiques qui lui sont propres. En gros, un gros super pouvoir qu'on va pouvoir déclencher une ou plusieurs fois par partie. Tout dépend à quelle vitesse vous allez charger le pouvoir. Là, en gros, vous avez des casques que vous allez charger. Et dès que les casques sont blindés, vous pouvez tout utiliser et utiliser le super power. Au-dessus de chaque personnage, vous avez des petites cases pour mettre des brèches. Tous les personnages ne sont pas au même niveau à ce niveau-là, mais on y reviendra. En gros, ce qu'il faut savoir ici, c'est que vous avez 8 personnages différents. Quand vous jouez en solo, enfin, par joueur, en fait, vous en prenez un. Et donc, il y aura entre 1 et 4 héros par partie. Quand on joue solo, vous pouvez soit en jouer un seul, ou soit faire comme si vous étiez deux joueurs et jouer avec deux personnes différentes. Ça tourne, c'est très bien, c'est prévu pour. Après, il faut savoir gérer deux decks en même temps. Bon, quand on débute, c'est peut-être pas forcément le plus simple, et surtout que le jeu s'étend pas mal. Du coup, vous aurez deux zones de jeu. Bref, si vous avez de la place et si vous savez jouer, pourquoi pas. Donc 8 personnages, et ensuite vous avez 4 Némésis, ces 4 gros boss de la mort qui tuent. Vous avez le prince des gloutons, la reine carapace, rage incarnée et le masque tordu. Chaque boss ayant un gameplay radicalement différent. Et franchement, c'est super, super, super cool. J'ai joué enfin les 4. J'ai eu pas mal de difficultés sur rage incarnée, mais c'était ma première partie. Pas mal de difficultés, mais un peu moins sur masque tordu. Reine carapace, bah, je trouvais que ça a été. Mais j'avais simplifié le jeu en me donnant plus de vie, en me donnant plus de trucs et tout. Par contre, Prince des Gloutons. Alors, première partie, je l'ai explosé. La deuxième, j'ai corsé le jeu, je me suis fait démonter. Donc celui-là, très très dur. En fait, lui, il va grignoter des parties du plateau. Il va manger les cartes. Du coup, vous ne pourrez plus en acheter. Et si les piles sont vides, vous avez perdu, en fait. Donc super cool. Bref, allez, je vous propose de commencer à installer la partie. On va prendre ce qui me paraît le plus simple. Rage incarnée. Hop. Alors voilà. Mon personnage, on va prendre qui? Je vais prendre un qui est potentiellement assez simple. Voilà, Brahma. Voilà. Là, vous avez un petit plateau personnel. Enfin, un petit plateau personnel. Vous avez un petit plateau, en fait, qui se joue avec la reine carapace. Il y a un gameplay vraiment différent entre les Némésis. Il y en a qui ont une pile de cartes supplémentaires, il y en a qui ont des cartes, machin. Lui, il a un petit plateau et il va invoquer des petits insectes qui vont vous pourrir la vie. Donc ça, super cool. Lui, je l'ai dit, il grignote les cartes du plateau. Et lui, il a des malédictions, enfin des corruptions qui vont arriver dans votre deck et il va plomber votre deck. Et au début de votre tour, quand vous piochez les malédictions, vous les prenez dans la tête. C'est très sympathique. Lui, il a un truc un petit peu plus basique, c'est qu'il a un deuxième deck de cartes qu'il va utiliser au moment où il vous frappe. Bon, bref, vous allez voir comment ça s'installe. Alors, eh ben, on va installer, allez, la rage incarnée. Donc, sur la carte des Némésis, vous avez à chaque fois la mise en place. Mélangez toutes les cartes frappe et placez-les face cachée pour former le paquet de frappe.
Rage incarnée gagne un jeton furie. Donc on va jouer avec le héros Brahma, la Némésis Rage incarnée. On continue un petit peu le tour de la boîte. Vous avez un compteur pour les points de vie de la Némésis. En mode normal, on joue à 70 points de vie, en mode facile à 60. Je vous propose qu'on se mette à 65, ça me paraît correct. Là, c'est le point de vie de ce qu'ils appellent le Gravehold. C'est en gros notre village, voilà. Donc normalement c'est 30, en facile c'est 35, je vous propose 32, voilà. Vous avez un petit sachet avec plein de jetons, bon on s'en fout, on va les mettre sur la table, vous verrez à quoi ça sert ensuite. Vous avez des cartes, des petites cartes de brèche numérotées, les numéros ont leur importance, et vous jouez toujours avec le numéro 1, 2, 3, 4 par personnage, et là vous avez de quoi faire jouer 16 joueurs au total. Ensuite, dans la boîte, tout est bien trié par des intercalaires. Vous avez les cartes des Némésis ici. Vous avez les cartes de départ des héros ici. Vous avez l'ordre du tour. Et puis voilà, bref, on va faire ça tous ensemble. Donc, on va prendre le paquet de cartes. Rage incarnée. Donc, vous avez des cartes de niveau 1. S'il veut bien faire sa petite mise au point, s'il te plaît. Carte de niveau 1. Carte de niveau 2, carte de niveau 3, et celle-ci, comme on l'a vu, sur sa mise en place, on mélange toutes les cartes de frappe, ce sont celles-ci, c'est écrit ici, c'est des cartes de niveau 0. Les cartes de niveau 0, c'est des cartes spécifiques à cette Némésis qui développe un petit peu la mécanique. Donc on les mélange, ça va former un deck à part. Le deck de la Némésis va être composé des cartes propres à la Némésis. Donc comme vous l'aurez compris, il y a des cartes propres à chaque Némésis. Du coup, ça va faire vraiment varier le jeu. Et vous avez une pile de cartes neutres qui peuvent être mélangées à toutes les Némésis. Et là où c'est vraiment fort, c'est que là, on va fabriquer en fait le deck du boss. Et en fonction du nombre de joueurs dans votre partie, le nombre de cartes neutres sera pas le même. Là, vous voyez 1, 2, 3, 4 joueurs. Donc là, nous, on va être à un joueur. Au palier 1, je vais rajouter une carte de niveau 1. Palier 2, 3 cartes. Palier 3, 7 cartes. Et ben, c'est parti. Je vais prendre ici, donc... alors, attendez, parce que c'est le merdier, évidemment. C'est mélangé. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 cartes de niveau 3. Hop, je les mélange aux cartes de la Némésis. 1, 2, 3... Alors, ça, c'est du niveau 2. Bon, alors, évidemment, c'est un peu chiant à installer. Mais c'est encore plus chiant à installer quand c'était pas rangé. Là, c'est toutes mes cartes de niveau 1. Bon, il m'en faut qu'une. Allez, on va mettre celle-là. Hop, voilà. Là, c'est toutes les cartes de niveau 2. On en prend donc 3. 1, 2, 3. Et on les rajoute aux cartes de niveau 2. De la Némésis. Les cartes de base des Némésis ne servent plus. Vous mélangez les cartes indépendamment les uns les autres. Le niveau 3 en premier. Le niveau 2 en deuxième, vous empilez le niveau 2 au-dessus du niveau 3. Le niveau 1 en dernier, vous mélangez et vous empilez. Ça y est, la Némésis est prête. On va la placer. Alors, ça va pas être très facile. Voilà, on va la placer ici. Ses points de vie en dessous. On mélange ses cartes de frappe. Hop, on va mettre ça ici. Et ensuite, le deck de la Némésis. Voilà, la Némésis est installée. Ensuite, on fait la même chose pour son héros. Alors, ce qu'il y a vraiment de formidable, de bien, c'est que chaque héros va avoir une main de départ et un deck potentiellement différent des autres. Ça permet de thématiser le gameplay. Donc là, vous piochez dans la boîte, vous avez une case pour... les cartes de départ, donc vous avez plein d'exemplaires à chaque fois similaires, hein. C'est pour avoir du matos pour jouer. Donc là, je veux une lumière enterrée et 4 cristals. Donc 1, 2, 3, 4 cristals. La lumière enterrée, c'est celle-ci, voilà. Et ensuite, dans ma pioche de départ, on a 3 cristals et 2 étincelles. Hop, 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 voilà, je suis prêt à jouer. Donc, on va essayer de mettre ça
correctement. Donc ça, c'est ma main. On a dit une lumière enterrée et 4 cristaux. Et ça, c'est ma pioche. On a 3 cristaux et 2 étincelles. Voilà. Pioche, main. Les points de vie de notre village, on n'a qu'à le mettre en dessous. Voilà. Ici, en dessous de la Némésis. Là, ici, on va avoir nos brèches. Le petit plateau, ici, nous indique l'orientation des brèches et si elles sont ouvertes ou fermées. Celle-ci est ouverte, toutes les autres sont fermées. Et vous voyez la petite, le petit triangle jaune, ça va nous indiquer l'orientation. Parce qu'elles peuvent tourner. J'y reviendrai dans la partie, vous en faites pas. La première, elle est ouverte. La deuxième, elle est fermée avec l'orientation jaune vers le bas. La troisième, elle est fermée, orientation jaune vers la droite. Et la quatrième et dernière est fermée avec orientation jaune vers la gauche. Voilà. On va maintenant sortir les petits pions que je vais laisser en dehors du terrain. Hop. On va se mettre, normalement, c'est 10 points de vie pour le héros. Quand on joue en mode facile, on peut en mettre 12, 13, 14, 15, un peu comme on veut. Bon, c'est suivant le challenge qu'on veut faire. Allez, moi, je m'en mets 12. Ensuite, normalement, on a des numéros de joueurs. Numéro 1, 2, 3, 4. Bon, bah là, en solo, on s'en fout parce que, forcément, je vais être tout seul à jouer. Vous avez des petites cartes d'aide qui vous rappellent le tour du jeu d'un joueur, le tour du jeu de la Némésis. Bon, maintenant je commence à connaître, mais on peut se laisser ça sur le bord du plateau. Vous avez ici l'ordre du tour. Donc c'est là où les numéros des joueurs vont avoir une incidence. Vous mettez toujours dans le deck d'ordre du tour deux cartes Némésis, vous n'avez pas le choix. Et ensuite, en fonction du nombre de joueurs, vous n'allez pas mettre forcément les mêmes cartes. Si vous êtes 4 joueurs, vous mettez 1, 2, 3, 4. Si vous êtes 3 joueurs, vous mettez 1, 2, 3, plus un joker. Quand le joker tombe, vous décidez quel est le joueur qui va jouer. Si vous êtes 2 joueurs, bah vous doublez les numéros 1 et 2. Chaque joueur jouera 2 fois. Et si vous êtes en solo, comme moi, et que vous voulez jouer en facile, vous choisissez 1, 2, 3, 4. Vous jouerez 4 fois. Ou si on veut corser, vous jouez 3 fois. Allez, vu qu'on s'est laissé une marge un petit peu plus souple sur le reste, je vais décider de corser et jouer 1, 2, 3. Donc ça, c'est votre deck de l'ordre du tour et l'ordre des actions. Vous le mélangez et à chaque tour, on va révéler une carte pour savoir qui joue, soit le joueur, soit la Némésis. Voilà. Et maintenant, on va installer le marché. Parce que donc c'est un deck building game et on va acheter des cartes pour renforcer notre deck de départ. On a des configurations prérequises dans la boîte de base. Moi je vous propose de faire ça totalement aléatoire et ils ont fourni dans la boîte des cartes qui vont servir au tirage aléatoire. Donc on a des cartes sorts, ce sont les cartes jaunes. On a des cartes gemmes, c'est la thune, c'est des cartes violettes. Et on a des cartes reliques, c'est des cartes bleues. C'est des artefacts, de la magie, mais qui vont pas forcément faire de dégâts comme les sorts pourraient le faire. Il faut prendre 3 cartes de gemmes. Et ben écoutez, on va en prendre 1, 2, 3. Donc on va jouer avec ces 3 cartes-là. Saphir nuageux, ambre de vris machin et opale brûlante. Et ben là, tout simplement, dans votre boîte, tout est rangé. Vous avez une pile de gemmes et vous prenez tous les exemplaires. Vous avez plusieurs copies des 3 cartes données. Donc, hop, hop, on va jouer avec l'ambre. Alors, hop, je ne sais pas comment mettre avec la caméra. On va jouer avec le saphir nuageux. Tiens, il y en a un qui est en solo ici. On ne sait pas pourquoi. Hop, on va jouer avec... Non, c'est pas perle filtrante, c'est opale brûlante. Voilà, ici on a les 3 gemmes. Le reste, vous pouvez le ranger dans la boîte. Ensuite, on continue notre tirage. On va jouer avec 2 cartes reliques. Hop. On va jouer avec ça
Et celle-ci, je la sens bien. Donc on va jouer avec bateau d'explosion et talisman de mage. Et ben là encore une fois, vous prenez votre case où il y a tous les cartes bleues. Et puis bah vous cherchez, bah tiens, bâton d'explosion, c'est là. Et l'autre carte, talisman de mage. Voilà, c'est un peu le bordel là, à montrer en caméra. Et la dernière, ce sont les cartes sorts. Là, on va en prendre plus. On va en prendre 4. Hop, donc, allez. 1, 2, 3 et 4. On va jouer avec mise à feu, écho spectral, vague d'oubli et aperçu planaire. Bon, bah là, vous avez compris. Prenez dans votre boîte les cartes correspondantes et c'est parti. Alors, j'aime bien parce que les sorts, ils ont tous, enfin, les sorts ou toutes les cartes en fait, hein, il y a vraiment une bonne dérivation possible, malgré le fait, franchement, qu'il n'y ait pas énormément de cartes différentes en fait. Hein. Je ne sais pas combien il y en a, des différentes d'ailleurs, j'ai pas compté. Mais, bon, remarquez, il y en a peut-être autant que dans la boîte de base de Dominion. C'est vrai que je suis habitué à Dominion, qui a des milliards de cartes maintenant. Mais au début, il n'y en avait pas des milliards non plus. Hein. Tiens, on a ça. Là. On a ça. Là. Alors attendez, j'y arrive pas. C'est vraiment galère à filmer ce jeu là. Parce qu'il prend beaucoup de place. J'ai le trépied entre moi et la table. Qu'est-ce qui me manque comme carte? Vague d'oubli, on a. Non, aperçu planaire, on a. Vague d'oubli, on a. Machin, on a. Il me manque mise à feu. Elle est où la mise à feu? C'était donc dans la première pile. Eh ben ouais. Tiens, on va mettre ça là. Voilà, ce coup-ci, on est prêt à jouer. Alors, je vous rassure. Bon, ça se trouve, vous n'êtes pas inquiet. Hein. je vous rassure, mais voilà, une fois que c'est bien rangé, que voilà, ce que là, moi, je parle, j'essaye de trouver la place pour vous. Mais sinon, normalement, voilà, ça s'installe, même si c'est un petit peu chiant. Ça s'installe quand même rapidement. Tiens, mais il y a combien de cartes dans la boîte? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 cartes différentes. Je crois que Dominion en avait 25 dans la boîte de base. Donc, il y en a plus. Écoutez, on a le marché, on va acheter les cartes. On a son plateau personnel de jeu avec les brèches, sa main de départ, son deck, ses points de vie, son super pouvoir, le deck d'ordre du tour, les points de vie de la Némésis et du Gravehold, c'est notre village en gros. On a aussi des points de vie personnels, il y a deux choses un peu différentes, je vous expliquerai. On a le deck spécial de la Némésis et on a le deck de la Némésis qui est façonné avec des cartes bases et des cartes propres. À la Némésis, chaque Némésis a un fonctionnement particulier qui est indiqué sur la carte. Donc, tout ont un pouvoir en commun qui s'appelle le pouvoir déchaîné, qui va se déclencher des fois quand on va retourner des cartes. Par contre, l'effet du pouvoir déchaîné, est différent de Némésis en Némésis. Alors, je crois que là, on commence avec un jeton Fury directement dessus. Ok. Les règles supplémentaires sont, lorsque Rage Incarné frappe, donc frappe, ça va être prendre une carte du deck frappe, appliquer ses effets dans l'ordre. Piochez une carte du paquet frappe et appliquez son effet. Très bien. Remettez cette carte dans le paquet frappe et mélangez-le. Rage Incarné perd 3 jetons furie. À la fin du tour de la Némésis, si Rage Incarné possède 4 jetons furie ou plus, elle frappe une fois. Ok! Elle est violente. Et moi, mon pouvoir, c'est... on peut l'utiliser dans notre tour. Donc, on peut l'utiliser si on aura 1, 2, 3, 4, 5 tokens de charge qu'on va utiliser. Ensuite, c'est remis à 0. Il faudra recharger petit à petit. Et le pouvoir est... Un joueur gagne 4 points de vie. Et ben, c'est parti. On commence à jouer. Donc, ma main de départ est 4 cristaux. Un cristal, quand on le joue... Ça nous donne un éther,
Voilà, le petit symbole ici, c'est un éther, c'est un d'argent. L'argent va nous servir à acheter les cartes sur la table dont le prix est indiqué. Ici, on a à chaque fois dans les decks de départ des joueurs, on a une carte qui est affiliée à ce héros. Là, ma carte affiliée, c'est Lumière enterrée. C'est donc un sort. Et lorsque je vais lancer ce sort, je ferai un dégât. Et ensuite, je gagnerai un éther. Donc, on va savoir qui commence. On retourne une carte du deck Ordre du Tour. Oh putain, non mais ça y est, ça commence. Et c'est à la Némésis de jouer. Eh ben ok, tu vas jouer. Donc on prend une carte de son deck. Tadam ! La carte, c'est une attaque. On la résout tout de suite. L'attaque s'appelle Fendre et elle dit Rage incarnée, frappe. On met la carte dans la discard. Et on prend la première carte du deck frappe et elle va frapper. Bim ! Ouh, Greyvold subit 5 dégâts. Ok, Greyvold, c'est mon village, je subis 5 dégâts, je vais passer à 27. Donc on perd la partie si tous les joueurs sont... Non, pas tous les joueurs sont éliminés, parce que on ne peut pas vraiment être éliminé en fait dans ce jeu-là. Si, pardon, si tous les joueurs ont leur vie à 0, on est éliminé, ou si justement notre village... arrive à 0. Par contre, si un joueur est à 0 points de vie, il devient épuisé. Mais s'il y a encore d'autres joueurs en vie, la partie continue. Et en fait, qu'est-ce qui se passe quand un joueur est épuisé, donc perd tous ses points de vie? Au moment où il doit se prendre des dégâts, et ben, en fait, c'est le Greyvold, le village, qui se prend deux fois plus de dégâts que ce qu'aurait dû se prendre le personnage. Et en plus de ça, au moment où ça arrive, on applique l'effet déchaîné deux fois de la Némésis. Donc ça, c'est super dur. En plus, on va détruire une de nos brèches, on va perdre nos charges. Enfin, bon, voilà. En gros, faut pas être épuisé, c'est vraiment la merde. Les brèches, je vais y revenir, hein, vous en faites pas. Donc, la Némésis a joué. Le joueur prochain joue, et ça va être le numéro 2, c'est moi. Allez, c'est parti. Donc, dans mon tour de jeu, je peux faire... Donc, au début de mon tour, je vais lancer mes sorts que j'avais préparés au tour d'avant. Là, j'en ai pas de préparé sur mes brèches, donc je n'en fais pas. Bah là, justement, vous allez assister à une préparation d'un sort. Je vais préparer mon sort sur une brèche, la brèche numéro 1, qui est une brèche ouverte. Vous n'avez le droit de jouer un sort que si la brèche est ouverte ou si vous stabilisez une brèche. Alors là, il faut que je vous l'explique. C'est le point le plus intéressant du jeu. Enfin, un des plus intéressants du jeu pour moi. Vous voyez que sur chaque... brèche, vous avez des valeurs. Alors vous voyez, non, en fait, justement, vous voyez pas. Voilà, s'il te plaît. Et c'est vraiment galère la mise au point. Donc vous avez des valeurs qui sont en bordure de la brèche pour ouvrir la brèche. Vous payez cette quantité de thunes pour l'ouvrir, vous la retournez. Dans ce cas-là, ça se comporte comme la brèche numéro 1. Elle est ouverte pour tout le restant de la partie. Vous avez le droit de jouer vos sorts dessus. Le coût d'ouverture des brèches va varier suivant le numéro de la brèche et suivant l'orientation de la brèche. C'est quoi une orientation ? C'est la stabiliser. Si jamais vous ne voulez pas ouvrir une brèche pour son coût d'ouverture indiqué en haut, vous pouvez à la place la stabiliser en payant le coût de stabilisation. Et dans ce cas-là, vous allez tourner la brèche, bim, et là vous voyez le coût d'ouverture. Il est modifié, ça devient moins cher. Plus on stabilise une brèche, et moins elle devient chère. Et à chaque fois, le coût d'ouverture minimal est toujours le coût d'ouverture indiqué en jaune. Donc là, vous voyez, celle-ci, au moins cher, elle coûtera 2 pour être ouverte. Donc là, moi, au début, elle est comme ça. Et vous voyez que suivant le numéro de la brèche, les coûts de stabilisation et d'ouverture changent. Plus on avance dans les brèches, plus ça devient compliqué. Vous verrez pourquoi après. Donc les sorts, on ne peut les jouer que sur une brèche ouverte ou alors une brèche qu'on a stabilisée ce tour-ci et seulement ce tour-ci. Donc imaginez, si j'avais stabilisé celle-là, j'aurais pu le jouer dessus. Ce qui va se passer, c'est que au début de son tour, on va, avant même de jouer les cartes de sa main, on va lancer... Enfin, on a une phase de lancement de sort. On peut, si on le désire, lancer un sort qui est sur une brèche ouverte, mais on n'est pas obligé. On peut le maintenir en suspension dans la brèche ouverte. Du coup, c'est super intéressant parce que
ça va plus être dans sa main, plus être dans sa défausse, plus dans son deck. Du coup, on va avoir un deck plus petit qui va tourner beaucoup plus vite et ça peut être aussi une stratégie de jeu d'ouvrir toutes les brèches, de stabiliser les cartes et de faire tourner son deck. Bon, généralement, on a peu d'intérêt à maintenir les sorts parce que ce qu'on veut, c'est bourrer pour détruire la Némésis. Hein. Et par contre, quand vous aviez joué un sort sur une brèche stabilisée, et qu'au début du tour, la phase de sort arrive, vous êtes obligé de lancer un sort sur une brèche qui n'est pas ouverte. Là, voilà, vous ne pouvez pas maintenir des sorts sur des brèches fermées. Et je vous disais que les brèches numéro 3 et 4 coûtaient plus cher à stabiliser et ou à ouvrir, parce que lorsqu'elles sont ouvertes, on fait plus un dégât lorsqu'on va lancer un sort. Vous voyez par exemple ce sort-là fait un dégât. Si je le lance à partir de la brèche ouverte 3 ou 4, il fera un deuxième dégât. Donc ça peut être intéressant de rusher la stabilisation et ouverture de deck pour renforcer ses sorts. Il y a vraiment énormément de stratégies. Son argent, on peut utiliser... alors attendez, elle est où ma main ? Voilà, donc l'argent qu'on a en main, on peut la jouer, on peut acheter des cartes du plateau, mais on peut aussi dépenser 2 d'argent pour charger son personnage. On va prendre un petit jeton et hop, on va charger ici un token. Dès qu'on aura sur ce personnage-là, parce que ça peut varier de perso en perso, dès qu'on aura 1, 2, 3, 4, 5, on peut déclencher son super pouvoir et elle, le super pouvoir est de gagner 4 points de vie. Alors parfois, c'est pas du luxe, hein. Donc voilà, est-ce que je vais faire ça? Je n'en sais rien. Donc, j'ai préparé mon sort. J'ai 4 de thunes, je vais acheter une carte. Est-ce qu'il y a des cartes qui permettent d'affiner son deck? C'est ce qui me paraît le plus fort dans tous les jeux de deck building, surtout en début de partie. Ou alors, si on ne peut pas affiner son deck, on va chercher à acheter de l'argent de plus forte valeur que l'argent de base. Après, si on peut faire les deux en même temps, c'est plutôt pas mal. Alors, cette carte-là dit gagner une charge et un allié gagne une charge, donc j'en gagnerai 2. Ça dit qu'on inflige 2 dégâts et un dégât supplémentaire pour chaque brèche ouverte. Bon, ok. Ça dit, lorsque c'est préparé, donc quand c'est pas encore lancé, on peut gagner 1 de thune, ok. Et ensuite, on va infliger 2 dégâts et on peut défausser une gemme pour infliger autant de dégâts supplémentaires que le coût de la gemme défaussée. Ok. Ça, c'est infliger 2 dégâts, vous pouvez détruire une carte de votre main. Voilà ce qui va permettre d'épurer son deck, donc ça, je retiens. Ça, c'est des cartes à thunes. On va gagner 2 quand on la joue, et quand on l'achète, on la met sur son deck. Ça, on va gagner 3, et si c'est le premier saphir qu'on joue dans le tour, on va gagner une charge. Très sympathique, ça, j'adore. Ça, on va gagner 3, et on peut défausser une carte de notre main pour qu'un allié pioche une carte. Bon, bah en gros, là, en solo, ça va être on défausse, on pioche. Ça, c'est un bateau d'explosion. On peut lancer un sort tout de suite au moment où on joue cette carte-là. On n'est pas obligé d'attendre le jour d'après, le tour d'après. Et on va infliger 2 dégâts supplémentaires avec ce sort. Super bien. Et la dernière carte, qui est un sort, c'est infliger 2 dégâts et un allié gagne une charge. Alors, j'ai 4 de thunes. Si j'achète une gemme ou le sort qui me permet d'écarter une carte de ma main, les cartes coûtent 3 chacun, donc de toute façon je vais pas pouvoir optimiser mes 4. Je suis pas obligé d'utiliser toutes mes cartes, donc il y en a une que je vais garder pour le tour prochain. Je vais utiliser 1, 2, 3 de thunes. Je vais acheter mon sort ici qui me permet d'infliger 2 dégâts et de détruire une carte de ma main. Les cartes que j'achète vont à la poubelle comme d'habitude. Les cartes utilisées vont dans l'ordre de votre choix à la défausse, et ensuite vous complétez votre main à 5 cartes, 2, 3, 4, 5. Là on est dans un truc complètement classique. C'est la fin de mon tour, on révèle une autre carte de tour, et c'est parti. Bim, Némésis ! On va piocher, alors là la Némésis n'a pas de carte en jeu, donc il n'y a rien à faire. On va piocher une carte, on la résout. Putain, c'est quoi ce bordel ? Dévorer 2 cartes, Prince des Gloutons. Ah ben non, c'est une carte... de Prince des Gloutons, ça, c'est pas une carte de Rage Incarné. Je me suis peut-être gouré. Bon. Rage Incarné, voilà. Et ben là, c'est très bien, regardez, c'est un serviteur. Donc un serviteur, c'est un mec qui va rester en jeu et qui, à chaque tour, si il a un effet durable
mais ils ont quasiment tous un effet durable, à chaque tour de la névésiste déclenchera son effet. Il a 5 points de vie, donc on va placer 5 points de vie dessus tout simplement. Et à chaque tour de la Némésis, l'effet durable se déclenchera et l'effet est le Greyvold. Donc le Greyvold, je vous rappelle, c'est mon village, c'est ça. Subit autant de dégâts que le nombre de jetons furie que possède Rage incarné. Eh ben, ok. La question c'est où est-ce qu'on met ça? Mes points de vie, je les mets là. Némésis, je les mets là. La discard là. Et on va mettre ça ici. Voilà. Allez, joueur suivant. Bim, c'est moi. Début de mon tour, je vais résoudre mes sorts. Je peux lancer mon sort qui est sur la brèche ouverte, mais je ne suis pas obligé. Écoutez, j'ai aucun intérêt à ne pas le déclencher. Je vais le déclencher, je vais infliger un dégât et gagner un thune. La question est, est-ce que je l'inflige à la Némésis ou est-ce que je l'inflige au serviteur? La Némésis a déjà joué deux fois, elle ne va pas rejouer ce tour-ci. Là, il me reste un tour de jeu. Si ça se redéclenche, je vais subir qu'un dégât à mon village. Allez, on s'en fout, je vais attaquer la Némésis. Je passe à 64. Ok, ensuite je fais mon tour. J'ai 1, 2, 3, 4 cristaux. J'ai déjà un thune grâce à mon sort que j'ai lancé. Écoutez, je vais déjà préparer mon sort ici pour le prochain tour. Et avec 5 de thunes, donc 1 que j'avais déjà gagné, 2, 3, 4, 5. C'est quoi ça déjà? Je peux gagner 1 et infliger 2 dégâts, défausser une gemme. Ouais, j'ai pas de grosse gemme, donc ça vaut pas le coup pour l'instant. J'ai dit que j'ai 5. Là-bas, ça peut me faire gagner des charges. Ça peut être sympa quand l'autre va me bourrer. Est-ce que j'achète de la thune? Tac, 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 tac. Là, je vais peut-être commencer à acheter de la thune. Ça, c'est quoi? Pour 5, gagner 3, vous pouvez défausser une carte. Ah ouais, ça, c'est fort. J'achète ça, je défausse dans l'ordre de mon choix. Je complète ma main à 5 cartes. Donc, une. Là, il faut que je complète plus 4 cartes. Par contre, là, la différence des autres deck building game où on remélangeait notre défausse et ça faisait un deck, là, vous avez juste à retourner votre défausse. Du coup, l'ordre dans lequel vous défaussez vos cartes a une importance puisque c'est l'ordre dans lequel vous retrouverez vos cartes quand vous allez les piocher. Donc voilà, c'est la fin du tour. Je révèle le prochain joueur, donc c'est moi. Début de mon tour, je lance un sort. Bim, j'attaque la Némésis, 63. Et je commence à jouer. Je vais... Alors là, j'ai deux sorts, vous voyez. J'ai qu'une brèche ouverte. Donc déjà, je vais préparer mon sort le plus puissant. Si je veux jouer le deuxième sort, je suis obligé de stabiliser une brèche, sinon je peux pas le jouer. Sachant que j'ai 3 de thunes. 3 de thunes, je peux stabiliser la 3 si je veux optimiser. Là, c'est ce qu'on va faire. Je stabilise. Je pose. J'ai utilisé mes 3 de thunes donc, pour stabiliser. C'est la fin du tour. J'ai plus de cartes d'ordre du tour à retourner. Du coup, c'est parti. Qui va jouer? Oui, c'est moi! 1, 2, 3, 4, 5. Début de mon tour, je résous les sorts dans l'ordre de mon choix. Je vais claquer un dégât à la Némésis. Je vais claquer 2 dégâts à la Némésis. Je suis à 60 et je vais pouvoir virer une carte de ma main. Enfin, détruire, ça veut dire retirer de la partie. Hop, je vais virer un cristal parce que les cristaux, c'est caca. Je vais jouer un nouveau sort. Et pour... 1, 2, 3. Donc je peux défausser une carte de ma main pour en piocher une autre. 1, 2, 3, 4, 5 de thunes. Je vais faire quoi? Je vais acheter un deuxième sort écho spectral. Et je vais stabiliser cette brèche là. C'est la fin de mon tour, je défausse ce que je veux dans l'ordre que je veux. Je pioche 5 cartes, j'ai plus de cartes, je retourne. 1, 2, 3, 4, 5. Et le joueur d'après est la Némésis. La Némésis a une carte en jeu, on est obligé de les résoudre de la plus ancienne à la plus récente. Elle a un effet durable qui est... Greyvold subit autant de dégâts que le nombre de jetons furie que possède Rage incarné. Bon, écoutez, je m'en prends un, c'est pas la mort. Ensuite, le joueur d'après, c'est...
Ouh, Némésis! Ah non, attendez, oulala, 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 attendez. Il faut que je pioche une nouvelle carte Némésis, bien sûr. Colère infléchissable, attaque. Donc, la Némésis va déchaîner. L'effet de déchaînement de la Némésis est Rage incarnée gagne un jeton furie. On passe à deux jetons furie. Ensuite, s'il y a deux cartes ordre du tour de la Némésis dans la défausse, non, il n'y en a qu'un, appliquez déchaîner deux fois de plus. Ouf! Ça aurait été la violence incarnée! Voilà. Ensuite, la Némésis donc, va rejouer puisqu'on avait vu la carte. On redéclenche l'effet durable des rats. Grévol subit autant de dégâts que le nombre de jetons sur la Némésis. 2. Ah putain, j'aurais peut-être dû commencer à détruire le truc. Je passe à 24. On pioche une nouvelle carte. Oh là là, dissiper, déchaîner deux fois. Non! On rajoute 2 tokens, on passe à 4, c'est la folie. Le joueur ayant le plus grand nombre de sorts préparés défausse un sort préparé le plus cher. Putain, j'ai plus de sorts à jouer, mon dieu! Et c'est la fin du tour Némésis, c'est à nous de jouer. Bim! Alors, je vais préparer mon sort ici. J'ai 3 de thunes, je vais ouvrir ma brèche. Préparer le deuxième sort, j'ai plus de thunes parce que j'ai utilisé, c'est la fin de mon tour, je défausse, je pioche 1, 2, 3, 4, 5, et derrière je rejoins un tour, je vais claquer 1, 2, aura ici, ils ont plus que 3 points de vie, 1, 2, 3, et ensuite je joue mon tour, je vais préparer, bim, mes 2 nouveaux sorts, et pour 1, 2, 3, je peux défausser une carte pour en piocher une, 1, 2, 3, 4, 5 de thunes, 5 de thunes, 5 de thunes, 5 de thunes. 5 de thunes. Je peux acheter une carte pour charger. Je peux acheter un sort pour défausser des gemmes. C'est pas encore le bon moment. Ah tiens, je vais acheter un bâton d'explosion. En fait, pour 4. Et je garde ça en main. Hop, c'est la fin du tour. Je complète à 5. Donc 1. Non, si, je défaussais l'autre carte, on s'en fout. 1, 2, 3, 4, 5. On remélange. Hop, hop, hop. Et c'est à qui de jouer? C'est à moi. Début de mon tour, j'inflige 2 dégâts. Je vais infliger 2 aura. Je peux détruire une carte de ma main. Ah, j'aurais dû garder le cristal, bon, c'est pas grave. Allez, je vire un cristal. Deuxième sort que je résous, j'inflige 2 dégâts. Je détruis une carte de ma main. Bim. Les 2 dégâts, je peux les infliger soit à la Némésis, soit au rat. Vous voyez que le rat, il a plus qu'un point de vie. Et je peux pas mettre le dégât restant sur la Némésis. Donc je vais perdre un dégât. Du coup, la question, c'est de savoir... bah non, rage incarnée à 4 furies. Je détruis ça tout de suite. Ok. Ah zut, il y a une règle qu'on a oubliée. À la fin d'un tour, Némésis, si la Némésis a 4 jetons de furie, elle frappe une fois. Et ensuite, elle perd 3 jetons. Écoutez, on va le faire tout de suite. Elle frappe. Le joueur ayant le plus de brèches ouvertes subit 3 dégâts. Ok, et eh ben 3 dégâts. Voilà, on va le faire tout de suite, c'est pas bien grave. La frappe qu'on vient d'utiliser, elle est remélangée au deck. La rage incarnée perd 3 jetons, bordel. Et c'est parti, on joue notre tour comme on devait jouer. Je prépare mes 2 sorts. J'ai que 1 de thune. Forcément, puisque j'ai écarté mes autres cristaux, et ben c'est pas grave, je vais pas la jouer. Je vais faire que ça ce tour-ci. Fin du tour, je complète à 5. 2, 3, 4, 5. Et le prochain joueur à jouer est la Némésis. Il n'y a plus de cartes en jeu. On va en piocher une. Ouh, bah tiens, quand il y en a plus, il y en a encore. 5. 6, 7, 8 et 9 points de vie. C'est un serviteur qui s'appelle Porte-Velin qui a un effet durable qui est le joueur ayant le moins de vie subit 2 dégâts. Bah voyons. Ou alors, un joueur défausse un sort préparé coûtant 3 ou plus. Bon bah ça, il va falloir le dégager vite fait. Mais vous voyez déjà un truc intéressant, c'est que bah, quand on dégage les mecs, on peut pas dégager les points de vie. C'est vraiment... Je kiffe ce jeu. La Némésis a joué, c'est à... Oh putain de merde. La Némésis joue. Allez, on déclenche l'effet durable. Le joueur ayant le moins de points de vie subit 2 dégâts. Ou alors,
on défausse un joueur, un sort préparé coûtant 3 ou plus. Alors la règle dit que je ne peux pas sélectionner un effet si je ne peux pas le faire. Du coup, je suis obligé de sélectionner le premier. Je vais perdre 2 points de vie. Ok, et ensuite la Némésis pioche une carte. Déchaîner 2 fois. Oh la vache, on rajoute 2 tokens. Bim bim, et le joueur subit 2 dégâts. Bah voyons, j'ai plus que 5. Vous allez assister à une mort en direct live. Allez, c'est parti. Maintenant, à moi de jouer quand même là. Bim, c'est à moi. Je vais déclencher un dégât sur ce monstre. Je vais déclencher un dégât et gagner un thune sur ce monstre. Ensuite, je vais préparer ce sort-là. Je vais utiliser le bâton d'explosion pour lancer le sort que je viens de préparer tout de suite. Mon sort, qui normalement colle 1, va coller 2 supplémentaires. Donc, je colle 3. On monstre ici. Il ne lui reste plus que 4. Ok, ensuite j'avais un de thune. Un de thune. Déjà de base. 1, 2, 3, 4. Je peux défausser une carte pour en piocher une. 4, 5. J'ai 6 de thune. 6 de thune, ça commence à causer. Je vais acheter ça pour commencer à charger mon mec. Le saphir nuageux. Je peux gagner 3, et s'il s'agit du premier saphir que je joue, je vais pouvoir charger. Les cartes achetées dans la poubelle, je défausse tout dans l'ordre de mon choix. Je complète à 5. Donc 1, hop, je retourne. 2, 3, 4, 5. C'est la fin de mon tour, et c'est moi qui joue. Ensuite, il va falloir que je gagne des points de vie. Donc il va falloir que je charge mon perso, parce que sinon c'est chaud. Oh putain, 4 sorts. Bah c'était à prévoir. Je vais charger ces deux-là. Est-ce que je peux stabiliser avec un thune? Je ne peux pas stabiliser, donc je ne vais pas pouvoir jouer d'autres sorts. Et avec un thune, je suis dans le kata. Donc c'est la fin de mon tour. 1, 2, 3, 4, 5. Je mélange l'ordre du tour. Aïe, 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 aïe. Et qui va jouer? Par pitié, moi. Oui, moi! Début de mon tour, je colle 2 dégâts. Hop, on monstre ici. Je vais pouvoir claquer une carte de ma main. Je vais claquer le cristal. Boum, j'en aurai plus. Deuxième sort que je résous, je claque 2, je bute le monstre. Voilà, ouf, je vais claquer une carte de ma main. Je vais virer le sort là, merdique. Je vais commencer à virer mes sorts. Ensuite, je prépare mes deux sorts et j'ai un thune. Je n'en fais rien, c'est la fin de mon tour. J'ai 1, 2, 3, 4, 5. Vous avez vu là? Ça commence à vachement se réduire, c'est cool. Et le joueur d'après est... Oui, c'est moi! C'est parti, je vais claquer 1. 2 dégâts à la Némésis et gagner 1 de thune. Je passe à 58. Ouh. Allez, on va y arriver. Et ensuite... Ouh, c'est... Oh non, je peux pas jouer ça, je le jouerai au tour d'après. Ensuite, je vais gagner 3. Je peux défausser une carte pour en piocher une. Ok. 1, 2, 3. J'avais 4 avec le sort du début de tour. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quand je le joue, je gagne une charge. J'ai 9 de thune. 9 de thunes. Je vais ouvrir ma brèche et je vais charger ici une fois. C'était de 9. C'est la fin de mon tour. Je défausse ce que je veux dans l'ordre que je veux. Je complète à 5. J'ai une carte. 2, 3, 4, 5. Et le prochain joueur à jouer est la Némésis. Hop. Pouvoir, et ben ça tombe bien. C'est un type de carte que vous n'aviez pas vu. Pour la Némésis, puissance 2, c'est-à-dire qu'on va mettre 2 tokens, et à chaque fois que la Némésis joue, on va virer un token, et dès qu'il n'y a plus de token, la carte se résout tout de suite. La résolution de cette carte fait déchaîner 4 fois. Pouf, 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 laisse tomber. Et par contre, moi, à mon tour, je peux défausser cette carte en perdant 4 charges. On va essayer de s'en occuper. Ensuite, c'est... La Némésis, début du tour, on va perdre un token pouvoir, elle se résout pas tout de suite. Et on rajoute une carte, oh la vache, puissance 2, pour défoncer, défoncer aussi. Je dépense 7 de thunes, et lorsqu'elle se résout, je déchaîne, et un joueur subit un dégât. Ce joueur subit un dégât de plus par jeton furie que possède Rage Incarné. Oh je crois que celle-là est encore plus urgente. Bon, il me faut 7 de thunes. Et évidemment, j'ai pas de thunes.
Alors, je vais préparer 1, 2, 3 sorts. Je vais utiliser le bâton d'explosion pour lancer ce sort-là tout de suite. Ce sort-là colle un dégât de base, plus un dégât parce qu'il est sur la brèche 3, ça fait 2 dégâts, plus 2 dégâts supplémentaires avec ça, je colle 4. Je vais coller 4 à la Némésis, elle est à 54. Ce sort-là me donne 1 de thune. Je vais pouvoir recharger ça. Et avec 1 de thune, eh ben, je ne peux rien faire. Du tout, c'est la fin de mon tour, je défausse, je complète à 5, 1, 2, 3, 4, 5. Là, vous voyez, mes sorts en suspension, je peux les maintenir ici, et maintenant j'ai une rotation de deck qui va être très très rapide. C'est à moi de jouer. Alors, voyons voir notre main. Ah bah voilà, on va pouvoir avoir un peu de thunes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Enfin, 9, non, pas tout à fait. Début de mon tour, je vais claquer un dégât à la Némésis. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5 à la Némésis. Plus 1 ici parce que la brèche était ouverte. Donc elle va perdre 6. Donc elle va passer à 48. Ok, mes deux échos spectrales me permettent de claquer des cartes de ma main. Je continue à épurer mon deck, je vire les cristaux et j'ai... 1, 2, 3 thunes, la première fois que je joue mon saphir, je gagne une de charge. Celle-ci, je gagne 3 de thunes, donc je suis à 6 de thunes. Je peux défausser une carte pour en piocher une. On va faire ça. Je défausse, hop, je pioche, je le prépare. Et j'ai 6 de thunes. Oh putain, j'ai 6 de thunes, je peux pas niquer ça. Et la prochaine fois que la Némésis va jouer, ce pouvoir-là va se résoudre, je vais perdre 4 charges. Non, elle va déchaîner 4 fois. Du coup, eh ben, ce qu'on fait, c'est que j'ai 6 de thunes, je dépense 2, il me reste 4. J'ai 4 charges, je claque mes 4 charges pour virer cette carte. Il me reste 4 de thunes. 4 de thunes, je vais acheter un bâton d'explosion. C'est la fin de mon tour. Je défausse. Je complète. 1, 2, 3, 4, 5. Et on remélange l'ordre du tour. Allez, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est à qui de jouer? C'est à moi. Début de mon tour, mon sort, claque 1 dégât plus 1. Grâce à ma brèche, elle passe à 46. Je vais gagner 1 de thune. 1 de thune. Oh là là, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. C'est chaud, je vais crever si elle m'attaque là. 1 de thune. Avec mon cristal, j'en aurai éventuellement 2, mais avec 2, oh, je suis dans la merde là. Allez, c'est pas grave. Je vais... Préparer. Je vais utiliser mon bâton d'explosion. Je vais infliger 2 dégâts plus 1, 3. Elle passe à 43. Je libère la place, je reprépare ce sort. L'écho spectral me permet de détruire une carte de ma main, je vire le cristal. Normalement, j'ai plus de cristal là, je crois. C'est la fin de mon tour, je défausse, je complète à 5. 1, 2, 3, 4, 5. J'aime bien, ça tourne très vite. Et c'est à qui de jouer? Ouh, c'est à moi. Il me faut de la thune, là. Il faut que je gagne des points de vie à gogo. Début du tour, je claque ça, j'inflige 1, plus 1, ça fait 2, 3, 4, elle passe à 39. Je peux niquer une carte de ma main. Ah, bah forcément, là, il n'y a rien à niquer. Si, je vais niquer ça. Infliger un dégât, gagner 1. Ok. Maintenant, je vais préparer ça, je vais le résoudre tout de suite. Je vais infliger 1, 2, 3, 4, 5 dégâts. Je passe à 34. Hop. Et ensuite, j'ai... trois de thunes, je vais gagner une charge. 3 de thunes, je passe à 6. Et 6 de thunes, je vais charger 3 fois 1.
2, 3. C'est la fin de mon tour, je défausse. Je complète à 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et c'est à... Aïe, 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 la némésis de jouer. On va virer un token, ça va, il en reste un. Et on va piocher ça. C'est un nouveau monstre qui s'appelle Mépris, avec 9 points de vie. 5, 6, 7, 8, 9. Il a un effet durable qui se déclenchera, du coup, je vous le rappelle, chaque fois que la némésis joue, qui est que mon village subit 3 dégâts, ou alors je déchaîne 2 fois. Bon, je pense qu'on en fera attaquer le village. Ensuite, c'est à... Non, c'est mort. C'est la némésis. On vire le token. Les fesses déclenchent. Déchaîner. Ok, on déchaîne. Putain, il passe à 4. Un joueur subit un dégât. Je suis à 5. Moins 1. 4. Aïe. Ce joueur subit un dégât de plus par jeton furie que possède Rage Incarnée. Bah voilà, j'ai perdu. Putain, je suis dégoûté, sérieux. Mon deck, il commençait à tourner bien, là. Ah là là, c'est ultra, 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 ultra addictif, ce jeu. Mais vraiment, c'est ultra addictif, alors. Donc voilà, je viens de perdre la partie, c'est dommage, hein. Mais en tout cas j'ai trop envie d'en refaire une, c'est vraiment ultra ultra addictif. Je viens de m'apercevoir que mon micro s'était débranché pendant toute la partie, donc le son a dû être pourri de chez pourri, en espérant qu'il y ait bien du son. Donc voilà, j'espère que la partie vous a plu, j'espère que vous avez compris le jeu, vous avez vu au bout d'un moment, une fois qu'on a compris, ça va très très vite. Si vous avez envie que je retente une partie, eh ben, dites-le moi dans les commentaires. Dites-moi ce qu'il faudrait améliorer au niveau visualisation sur table. Je sais que c'est pas terrible, mais pas trop de solutions non plus. Donc voilà, et ben dites-moi, et puis sur ce, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à la prochaine. Salut, salut tout le monde.